Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 20 mars 2023, en direct et en exclusivité, Georges, combattant de l'UTP. Prof, Georges, bonjour. Bonjour Justin, bonjour tout le monde et bonjour tous les Gomatranciens, surtout les Congolais, de partout qu'ils restent. Nous sommes encore là pour discuter certaines questions d'actualité qui écument la politique de la province du Nord Kivu et de la République tout entière. C'est quoi les nouvelles de la ligne de force lundi, M. Georges? Les informations que nous avons, jusque-là, il n'y a pas trop à dire si la ligne de force a terme de crépitement des balles. Mais cependant, les renégats, nous avons appris que les renégats, les criminels M23, étaient en train toujours de s'accumuler, de se renforcer pour vouloir peut-être projeter un éventuel assaut sur la ville de Goma. Et moi, je leur dirais que c'est tard. Il y a déjà une année, depuis octobre 2021 jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à faire même passer la petite commune de Goma, peut-être de Karisimbi ou Goma, et ils ne le feront jamais. Ils ne doivent que seulement respecter l'engagement de Luanda, aller à Sabinho, et le reste sera arrangé comme cela a été programmé. Mais dire qu'ils peuvent s'amasser, accumuler les jeunes garçons rwandais pour un éventuel attaque de la ville de Goma, c'est perdre les vies humaines inutilement. Parce que le gouvernement, nous sommes en train de le constater, tout le monde le constate, la communauté nationale, internationale, est en train de constater que après l'embargo, la République démocratique du Congo devient déjà une puissance dans la région. Alors que cela ne date même pas de 6 mois. Voilà, à moins de 6 mois, Tshisekedi devait faire de notre armée déjà une grande puissance. Et vous allez le constater, avec l'acquisition de Sokoï, avec l'acquisition de nos drones, avec l'acquisition des armes, aujourd'hui, ceux-là qui nous prenaient pour un pays peut-être dans lequel on peut faire son jeu, commencent déjà à prendre l'écart, à craindre. Et je peux, n'est-ce pas, faire un petit conseil au président rwandais. La RDC d'hier, la RDC de Joseph Kabila, dans laquelle vous avez fait tous vos jeux possibles, n'est plus la RDC d'aujourd'hui. La RDC de Fachi est une RDC organisée. Bien que nous avons encore de certains problèmes, mais Kagame, vraiment, avec toute sincérité, organisez-vous pour faire le Rwanda un pays démocratique. Créez des couloirs pour qu'il y ait la paix réellement, la paix totale dans la région. Et cela serait bénéfique pour le Rwanda, et pour la RDC, pour le Burundi, pour l'Ouganda et pour toute la région. Mais dire que vous allez créer la guerre, vous en sortirez toujours perdant. Et je l'assume, vous en sortirez toujours perdant. En aucun jour, Kagame, pour les jours actuels, vous ne ferez plus victoire sur les FRDC. C'est déjà dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle RDC qui ne jure que
l'intégrité territoriale et surtout la paix dans la région. Et Kagame a tout, bénéfice, peut-être a tout, je dirais peut-être, il a tout ce qui, je dirais peut-être, moyen de devoir créer le couloir de la paix. Surtout, en amenant ses militaires à devoir respecter les frontières de la RDC, en amenant ses militaires à respecter même les frontières même du Rwanda, du Burundi, de l'Angola, disons de l'Ouganda, de la Tanzanie, et vous trouverez que la paix sera la paix effective. Et si une fois cette paix-là est déjà installée, la région devient un village. Et quelqu'un de Goma, moi qui suis de Goma, je peux me rendre à Nairobi sans problème. Et surtout que nous avons tous intégré l'EAC. Quelqu'un peut venir déjà de Bukavu pour aller au Soudan du Sud sans problème. Quelqu'un peut peut-être venir, je ne sais pas, de Kigali pour aller à Kisangani, il n'y aura plus de problème. Mais avec la guerre, ça ne marchera pas. D'accord. Oui. Vous annoncez une grande puissance des gens sous l'ère Tshisekedi. Bien sûr. Ça se démontre où, monsieur Georges? La démonstration. Voici la démonstration. Mm-hmm. Je le répète. Dans moins de 6 mois de levée d'embargo, mm-hmm. vous-même êtes témoin, mon frère Justin, que nous avons déjà acquis plusieurs matériels militaires. Et grâce à ces matériels, on a récupéré les zones occupées. Et aujourd'hui, les Rwandais... à la peur au ventre. Georges, on a besoin des résultats sur terre. Voilà, voici les résultats. Voici ce qu'il y a. N'est-ce pas que ça fait depuis le samedi passé, depuis la débâcle de SAC. Avez-vous déjà appris encore notre front qui a été mené par les Rwandais? Par contre, ces amis sont en train de fuir même les locataires qu'ils avaient parce qu'ils fuient la puissance de l'armée. Pour votre information, Kibirizi, Kishishe, actuellement Kichanga et partout ailleurs, ils ont fui. Ils ont, je le répète, ils ont fui. Et ils ont seulement. Ils n'ont pas cédé ces espaces. Ils ont cédé sous la force. Sous la force des FARDC. Mais ce sont. Quelle zone, par exemple? Vous voyez, par exemple, toutes les montagnes qui surplombent ça. Là où il cherchait vouloir à imposer la force pour la cité de Sac et prendre la cité de Sac. Du fait, du jour où nous avons fait monter et les avions, et les chars, et les armes à longue portée, jusqu'à ce qu'on a compté des multitudes de cadavres. Les autres, moi j'ai appris l'autre, Justine Habimana, une opposante rwandaise, qui parlait de 5000 cadavres. Ça, c'est selon Justine. Moi, j'ai dit... donc. Et selon les constats de l'UDPS? Non, nous ne sommes pas professionnels de l'armée. Il y a quand même, il faut laisser certaines choses à l'armée. Et d'où est venu ce chiffre? Voilà, selon Justine, selon Justine, elle dit ceci. Nous sommes en train de regretter. C'est ma seconde fois de dire que le Rwanda devient... le cimetière et la morgue pour ce qui se passe en RDC. Et voilà que, on vient de vous signaler qu'il y a environ 5000 cadavres qui ont péri dans seulement la fougouante qui s'est passée autour de Sac. Bon. Là, c'est selon Justine. Bon. Ce n'est pas c'est selon. Et c'est selon vous, parce que c'est vous qui l'avez dit. Alors, revenons et parlons de cette cérémonie d'aujourd'hui. Georges, il y a eu une cérémonie de remise et reprise dans la conduite des opérations contre en tout cas les M23. C'est lundi 20 mars au secteur opérationnel Sokolade au Nord Kivu, entre le général de brigade Moyo et le général major Clément Bitangalo. Il faut dire que la cérémonie il y a aujourd'hui, donc entre les nouveaux et les sortants. Qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau général? En fait, nous l'avons toujours dit. Quand il y a une nouveauté, quand il y a une équipe qui arrive pour remplacer la sienne équipe, nous ne devons que seulement attendre les bons résultats. Parce que dans les jeux de compétition, on dit souvent, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais celle qui échoue, on la remplace pour tenter une éventuelle victoire. C'est-à-dire, comme Bitangalo,
a été remplacé, nous supposons qu'il n'a pas été à hauteur des opérations, ou peut-être que l'autorité a voulu que, a trouvé qu'il a fallu qu'il y ait encore plus de là, peut-être plus d'efforts que ce que Bitanga le venait de laisser. Bon, on ne dit pas qu'il n'a rien fait, il a quand même fait ce travail, mais peut-être que l'autorité a été plus intéressée encore du résultat plus palpable, plus peut-être, je dirais peut-être pratique sur terrain que celui que Bitanga le venait de laisser. C'est pourquoi on a jugé mieux d'amener un autre. D'accord. Et celui-là, le défi est devant lui. Récupérer Bounagana. Par force. C'est ça. Par la guerre. Mais il est militaire. Il vient faire la force, non? Il est militaire. Il ne vient pas faire les opérations d'observation ou peut-être du tourisme. Mm-hmm. Il vient pour la force. Et derrière lui, on lui a doté des troupes. Ce sont ces troupes qui vont lui permettre de revenir à Bounagana. La population de Goma ne jure que revenir à Bounagana. Il faut que Bounagana soit ouvert et que le trafic reprenne ses régulières circulations. Et surtout la marchandise. Vous voyez, actuellement, nous avons vécu beaucoup d'histoires, comme par exemple dernièrement avec la grève des pétroliers des 4 jours. Ouais. C'est toujours lié à ce qu'il n'y ait plus de trafic là, régulier entre Bounagana et Goma. Il y a beaucoup de problèmes. Tout ça, c'est ça la guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets de la guerre. Et tout ça, c'est et si la guerre prenait fait. En fait, nous. Et tout nous ça, sommes, c'est dans votre régime. J'assume. Et j'accepte. D'accord. Et vous allez comprendre que nous faisons autrement que les autres. Dans l'assiette, nous avons vu seulement les M23 faire 3 mois à Kibumba, sauf ils ont franchi Goma, et il y a eu Kabila qui est parti signer des grandes signatures à Kampala. D'accord. Nous, on a refusé. Georges, vous avez suivi Madame Samia Suluhu, la présidente de la Tanzanie. Bien sûr. Vous avez suivi ses propos. Bien sûr. Je reviens sur ses propos. L'Afrique de l'Est a envoyé des militaires en RDC, ils sont là. Ils ont la mission de maintien de la paix. Oui. Nous ne sommes pas partis en République démocratique du Congo pour nous combattre. Oui. Nous allons là-bas pour discuter avec les rebelles, a déclaré Madame Samia lors de son discours en Afrique du Sud. Comment vous en avez dit cela? Un discours qui suscite aujourd'hui des réactions. Vous savez. Ça, c'est l'EAS. Il parle en tout cas. Il parle comme membre de l'EAS. Il parle comme membre de l'EAS. En fait, suivre les propos, ce n'est pas ce que la population congolaise attend de l'EAC. Parce que l'originel même de la force de l'EAC à Nairobi, c'était autre discours. Mais la dame, elle a dit la vérité. Hein? Elle dit la vérité, ça n'engage que lui. Mais non, ça engage que tout le monde, tous les pays membres. Vous voyez, est-ce que vous savez pourquoi l'Angola aussi a ses troupes? Ces troupes n'ont pas vraiment une mission. Bien passive, sûr. Il faut les préciser. En fait, la politique a plus de non-dit que de dit. Là, je ne veux pas beaucoup aborder dans cet angle-là. Les non-dits sont aussi acceptés en politique. Est-ce qu'en suivant les deux, les FRDC n'ont pas dit qu'ils vont démériter. Là, d'abord, notre espoir, c'est d'abord les FRDC. Laissons d'abord les autres, ils peuvent être comme un appui, mais la grande tâche revient au FRDC. Mais les FRDC, c'est pourquoi pas cette armée, vous avez suivi les propos de Naïchimi. Non, ça, c'est ce qu'on appelle des méandres politiques, des verbiages politiques. Mais ils savent très bien, est-ce que vous pouvez vous dire qu'il y a comparaison entre la RDC et le Burundi? Non. Seulement, mais André politique. Ils sont là pour nous aider. Voilà, comme nous, d'ailleurs, dernièrement, nous avons fait une grande aide au président passé. N'est-ce pas? Mais la pas question ici, en suivant voilà. Les propos de Samia, alors, est-ce qu'on peut alors, dire que Madame Samia, la présidente tanzanienne, elle est libre de dire tout ce qu'elle peut dire,
Mais moi, je ne vais pas abandonner ça dans ce discours. Et je le répète, la paix en RDC ne peut que venir par ses propres fils. Ne croyez pas que parce que la Tanzanie est là, elle va faire mieux que les FARDC. Ça, non. D'abord, ça, je fasse dans les esprits des gens. On a l'impression qu'on a vraiment un discours différent. Nous avons notre propre discours côté RDC. L'EAC aussi a son discours. C'est comme s'il y aurait un agenda caché, monsieur Georges, il faut d'abord, le préciser. D'abord, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Tshisekedi, on l'a roulé? D'abord pour l'agenda, même pour le rouler. Non. Tshisekedi, c'est l'homme le plus incontournable. Mais aujourd'hui, il y a des discours il y a ceci. Qui ne sont pas les mêmes. Je le répète d'ailleurs, j'ai dit, après la débâcle de SAC, aujourd'hui, le M23, où sommes-nous? Et croyez, après ça, vous avez vu nos avions faire des vols de reconnaissance. Ce n'est pas parce que on est venu, on a mis trop de confiance dans l'EAC ou dans les Angolais ou dans les Burundais. C'est parce que la tâche régalienne d'abord revient à nous. Mais si ces armées-là ne sont que des armées d'appui. Mais pourquoi elles sont là? Pourquoi elles ne vont pas se battre, Georges? dans certaines circonstances, elles vont toujours se battre. Moi, je sais très bien que les Angolais... Non, on parle d'abord de l'EAC. Les Angolais, c'est notre force, oui. Georges. On est là avec les Angolais sont là avec la force de l'EAC. Je sais très bien que les Burundais, tels qu'ils sont là, il suffit que vous transversez dans votre programme, vous M23, les Burundais vont agir. Ça, c'est ma conviction. Bon, c'est vous qui allez tourner ça, puis aussi, c'est faire des accolades, mais Kilolir, tout ça. Dans ce qu'on appelle... On parle également de cette actualité après Kilolir, ou en tout cas, les éléments de l'EAC sont signalés à Kichanga, dans la chefferie de Bachel, en territoire de Massissi. Ça, FARDC, il faut le préciser. Non, les FARDC, il faut le préciser, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, acceptons genre, ça. C'est moi qui vous donne l'information qu'on va commenter ensemble, d'accord? J'accepte. D'accord? Acceptons. Alors, parce qu'il faut préciser, c'est la même chose, s'il vous plaît. C'est la même chose qu'on a vécu dans les Kibumba et dans les Mangabo. Ok? Là où on a vu, s'il vous plaît, là où on a vu la force de l'EAC arriver, et après, il y a les FARDC qui ne sont pas là. Accès. Alors, l'information, je disais après, oui, en tout cas, après Kilolir et Kichanga, il faut préciser que les éléments oui. de l'EAC ont été signalés à Kichanga. Là, nous sommes dans la chefferie de Bachel, en territoire de Massissi. Oui. Selon plusieurs sources dans la zone, en tout cas, cette force est venue faire la reconnaissance de cette entité qui est sous contrôle des rebelles du M23. En fait, de s'y installer dans le futur proche. Mais il faut dire en tout cas que les mêmes sources précisent que certains éléments de l'EAC ont pris également la direction de l'axe Mouesso avant de revenir à Kilolir. Là, c'est clair. Là, d'ailleurs, je l'avais même déjà signalé que on a remarqué la présence des Burundais à Kichanga. Voilà que vous venez d'augmenter notre élément, même à Mouesso. Parce que Mouesso et Kichanga sont des milieux très proches. Mais je le répète, je le dis. Ouais. D'abord, qu'est-ce qui était prédit pour le retrait de M23 selon l'origine de Luanda? Il était dit qu'ils doivent se retirer, aller se replier à Sabine la force de l'EAC va alors d'abord dans un premier temps occuper les entités. Qu'est-ce qu'a dit EAC? Ne croyez pas qu'a dit EAC. D'abord, l'EAC, c'est une force composée de plusieurs pays, y compris la RDC. Les gens ont toujours fait la confusion. Ils croient que l'EAC, c'est quelque chose à part et les FARDC à part. L'EAC, c'est une force conjointe commandée par les Kenyans et compagnie, disons, secondée en adjoint par les FARDC. Le général Kaputa, qui est un Congolais. Maintenant, quand l'EAC arrive quelque part, ayez d'abord dans votre tête que
d'abord. Quand l'air assez là, c'est-à-dire qu'il y a déjà une force conjointe. Il faut nuancer les choses. Oui. Il faut aider les gens à comprendre les choses. Oui. Nous aimons tous ces pays, c'est notre pays. Et moi-même. Tous Congolais. Oui. Il faut aider les gens à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et ils veulent comprendre comment la situation se déroule. C'est bon, on sait que la RDC fait partie de l'EAC. Bien sûr. Quand on parle de la force de l'EAC, on voit également les l'armée congolaise. Alors. Mais sans oublier que cette force, elle est constituée par les pays. Parce que quand on parle, par exemple, le déploiement de la force de l'EAC à Kibumba et à Rumangabo, on voit un pays, par exemple, le Kenya. On voit les militaires kenyans dans ces zones. Ça, là, ça les FARDC. S'il vous plaît, il faut aider les gens à comprendre. Merci. S'il vous plaît, Georges. Oui, oui, quand on parle du déploiement de la force de l'EAC à Kichanga ou à Kilolirwe, on voit les militaires burundais. Bien sûr. On ne voit pas les militaires congolais. Merci. Il faut préciser et il faut aussi aider les gens il faut aider aux gens à comprendre cela. On sait bien que notre armée fait partie de la force régionale. Mais où est-ce qu'elle sera déployée? Merci. D'ailleurs, vous parlez bien. Dites-nous une zone où on peut faire. Et vous voulez d'ailleurs dire, vous voulez alors lever les zones d'ombre. Quand les FARDC remarquent que les M23 ne se sont pas retirés de Kibumba, non plus de Rumangabo. Oui. Il ne fallait pas que les FARDC se confondent dans les M23, non. Vous savez, les FARDC, c'est une force, c'est une armée qui a aussi un commandement. Leur communiqué, le premier communiqué de l'autre, de Guillaume Djike, il a dit, les M23, ils ont fait ce qu'on appelle le scénario de se dire qu'ils se sont retirés de Kibumba, alors qu'ils en existent toujours. Et pourquoi maintenant nous amener nos troupes et les amener là où ils sont encore? C'est de l'embrouglion. Même qui viennent de le dire, ils sont partis à Kichanga. Mais Kichanga est encore sous contrôle de M23. Comment maintenant ce serait possible qu'on vienne avec les troupes congolaises et les aller les mêler avec les troupes des criminels? Voilà, nous devons être clairs. C'est bon d'apporter cette lumière, oui, mais il faut préciser. Oui, oui. Récemment, il y a une carte qui a fuité sur les réseaux sociaux. Mm. Cette carte, selon laquelle, donc sur cette carte, on voit comment les zones sont partagées par. Là, je ne vais pas utiliser la force par ces pays. C'est à travers ces forces. Tu vois? Donc, à travers la force, en fait, de l'EAC. Là, on parle, on voit les Kenyans, les Burundais, les Kenyans, les Burundais. Et les Sud-Soudanais. Et les Sud-Soudanais aussi. Oui, oui, et les Ougandais également. Oui. Alors. J'espère qu'on était revenu encore sur la même question, monsieur Georges. Bien sûr. Mais quand on voit les partages de ces zones, nulle part où on a indiqué, à part la mise en garde des M23 qu'avait lancé en disant, parce qu'à chaque fois les M23 libèrent une zone, leur message fort, c'est la mise en garde au FARDC de ne pas piétiner les pieds dans les zones laissées sous la responsabilité de la force régionale. Monsieur Justin, il faut aider la population à comprendre. Monsieur Justin et monsieur et tous les auditeurs qui veulent me suivre, il ne faut pas créer la crainte là où il n'y en a pas. Je pense bien que la RDC a intégré l'EAC et l'EAC a des textes. Et si la force est arrivée, c'est pas dire que la force est venue pour faire un partage, je dirais individuel, chacun se partage sa patrie. Non. Et maintenant, où est-ce que vous laissez les Angolais? Où seraient les Angolais maintenant? Non, les Angolais, il faut lire les textes, Georges. Voilà. Lisez, s'il vous plaît. Les Angolais seront là. Les Angolais n'étaient pas sur la carte de l'EAC. Ils ne viennent pas dans la mission de l'EAC. Non, ils ont une mission. C'est la même mission. Ils viennent dans la veille. La même mission, ils viennent superviser. C'est la paix. Il faut préciser. La même mission, c'est les la Angolais paix. Les Angolais seront là pour superviser les retraits et le désarmement. Et les désarmements des M23. Merci. C'est différent de la mission de l'EAC, monsieur. Et
ils ont comme finalité tous le rétablissement de la paix. C'est ça l'essentiel. Mais comment on va obtenir cette maintenant, paix? Sans combat, cette paix, par dialogue ou comment? Il n'y aura jamais de dialogue. D'abord, ça a oublié. Il n'y aura jamais voilà de dialogue. Question. Comment on va obtenir la voici ce qui avait été convenu à Luanda. Retrait des M23. C'est le fait de retrait des M23 jusqu'à Sabinho. Mais laisser la place à la force de l'EAC. Ce qui est en train de se faire intégralement. Et maintenant, je ne dis pas que les M23 se retirent parce qu'ils avaient la volonté de se retirer. C'est parce qu'ils d'abord ils sont en train de subir la force des FARDC. Ça, je dois préciser. Merci et personne ne le ignore. C'est-à-dire qu'il y a déjà une force. Pardon. L'éclaircissement est clair. Et d'ailleurs, je dirais peut-être... Je dirais qu'elle est comme l'eau. Merci. L'eau, on ne conteste pas. Je vais quand même. On a dépassé. Bon, je vais quand même placer un mot très important. De 30 secondes. Oui. Je sais, il y a assez de matière. Oui. Quand l'EAC arrive, ouais. Il vient dans le cadre des communiqués de Luanda. Mais comme on a remarqué que les M23 ne voulaient pas toujours respecter, il a fallu qu'on accélère la vitesse. Et puis, Angolais. D'abord nous, à Sake, à Kibirizi, partout là-bas. Ils ont subi le fait. Et quand ils ont trouvé qu'ils n'ont plus la force, maintenant ils ont fini par revenir maintenant sur Luanda. Parce qu'ils ont trouvé que même avec ces FARDC, nous risquons maintenant de tout perdre. Merci pour là où on pouvait tout, on pouvait gagner, on risque maintenant de tout perdre. Merci pour cet éclairage utile, monsieur Georges. Je sais, il y a assez de matière sur ce sujet. En tout cas, il faut développer. Il faut peut-être encore émettre une autre émission. C'est très important. Tout le monde, c'est voir la paix, la sécurité. C'est ça l'objectif. La paix, et encore la paix durable. Merci, comme ce qu'il avait dit. Ou bien la paix durable. Ouais, on a vu, je sais, demain, j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet. Oui, oui. Prendre la diplomatie agissante du président Tshisekedi. Effectivement. On a suivi M. Mbata lors de la 146e, je crois, assemblée. Ça, je vais. André Mbata, le vice-président de l'Assemblée. Sa motion qu'il a initiée, on a vu vraiment les pays qui n'ont pas soutenu la RDC, il faut l'avouer, les gens qui n'ont pas soutenu la RDC. Oui, ils sont là. On a eu que 88. Sur 75. Non, il y a plus de 300 qui ont rejeté, d'autres qui se sont abstenus. Effectivement. Mais je voudrais qu'on comprenne cette diplomatie du président Tshisekedi. Tshisekedi c'est vraiment mis en cause aujourd'hui parce que normalement, avec sa diplomatie, on devrait avoir ces gens soutenus comme on a vu. Plusieurs pays soutenir l'Ukraine par rapport aux sanctions. Et mais les pays, vraiment, voyez, la grande majorité n'a pas soutenu. Quand vous parlez s'il vous plaît, Georges, je suis en train de conclure. Non. J'annonce le sujet, on va en parler bien demain. Bien mais je disais qu'on a dit la majorité qui n'a pas soutenu la RDC, qui n'ont pas voulu que le Rwanda soit sanctionné. On a eu que 88 comme ça, là, qui ont juste soutenu les pays. Ça, on va décrypter ensemble et comprendre pourquoi ces gens-là ne veulent pas nous soutenir. Est-ce que la RDC est lâchée? Les grandes puissances ne veulent pas que le Rwanda soit sanctionné. Et pourtant, ça s'est vu. Il y a l'ONU qui a démontré clairement que la RDC fait face à une agression. Donc, tout ça ne comprend pas. Ça, on va analyser ensemble. Merci d'avoir été Monsieur Georges. Nous allons analyser, nous allons peut-être dévoiler beaucoup d'histoires parce que le Mali n'a pas besoin de secrets pour faire la pêche. Merci Georges, merci. N'a pas besoin de soutien. Merci mesdames. La RDC n'a pas besoin de soutien pour combattre sur terrain. Merci mesdames et messieurs. On voulait en fait obtenir ce soutien pour qu'on arrête d'accueillir le Rwanda. Merci, on se fixe rendez-vous demain, Monsieur Georges. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardés. Nous vous disons bye bye. Ok.